fuck, j'aurais jamais dû porter une cravate pour penser que je fais un statement de sa féminité. Penses-tu que c'est transgressif, toi, pour une fille de porter une cravate? Oh, fuck, Freud, là, il devrait nous dire comment nous habiller à la place. Puis, je sais pas, nous donner des cours, là, sur comment agir en société, avec style, élégance, ou je sais pas. Je suis pas bonne là-dedans, moi, j'aurais besoin de... d'une amie, ou de... Je pense à lui, puis je... Tout mon fan, oui. Voyons, c'est quoi cette crise de sandwich-là? Ma tentative de devenir végétalien. C'est pas un repas vegan, ça, Bruno. C'est juste pathétique. Ouais, mais au moins, je montre à Joe que je fais des efforts. C'est pas le temps de devenir anorexique pour autant, là. T'as une entrevue dans 10 minutes. Je suis sûre que ton chum préférait que tu mettes des efforts là-dedans au lieu. Tu penses? Mais oui, Chris, Bruno, c'est l'entrevue d'entrée pour le doctorat. Hein. Parce que hier, j'ai lu sur le forum Le Végétalisme comment les couples géraient ça dans la routine. Puis, tu t'es pas préparé. C'est ça. C'est juste... Ces temps-ci, je sais même plus c'est quoi mes priorités. Non, non, là, je suis pas disponible du tout pour te passer en thérapie. Je dois me concentrer, OK? Parce que moi, je me suis préparée. Le veston, est-ce que tu penses que je devrais l'enlever ou... Non, je vais garder le veston. Je garde le veston. C'est une couche de professionnalisme. Littéralement et figurativement. La cravate, je la garde. La cravate, c'est moi, c'est ma couleur. Voyons, t'es donc pas stressée, toi, t'es... Ça va-tu ou... J'aime ça le jambon dans mes sandwichs, moi. Déjà? Pis? Pis? Monsieur Lejean? Hey, hey, hey! Comment est-ce qu'il va, notre nouveau psychologue? Salut, mon amour. Allô? La terre appelle Bruno? Attends, t'arrives en plein milieu d'une opération extrêmement délicate. Je comprends, hein? Entre la chirurgie plastique de Pikachu, ben venir embrasser ton chum, hein. Le choix est pas trop dur à faire. Lui, c'est Jolteen. Lâche ça. Deux minutes, j'avais hâte de te voir, moi. Lâche ça. Moi, ça, je te dis. Hein? Moi aussi, je suis content de te voir. Ah! Chris Bruno, c'est-tu du lait? Calice! Ah! La vaisselle, ça te tentait pas non plus, là? Je pensais que t'étais sérieux quand tu disais que tu voulais être vegan avec moi, mais toi, puis tenir tes promesses à nous, hein? Non, je fais des efforts. Du lait, en plus, Chris. C'est genre la pire affaire que tu pouvais prendre, hein? Tu vas pogner l'Oreo pas rose avec ça. Bruno. Excuse.
J'ai un cadeau pour toi. Tadam! Pour 5 ans de future nuit blanche. Wow! Et qu'est-ce qu'on dit? Ben, merci. Merci, mon jeune atout bijou d'amour. Ça, c'est mieux. D'ailleurs, je nous ai ramené un petit quelque chose pour festoyer ce soir. Encore. Comment encore? Laquelle tu choisis? Pour vrai, je file pas trop pour du vin. Arrête de niaiser, là, laquelle? Choisis. Man. Oh, bon choix. T'es drôle des fois. Tu parles comme si on était deux alcooliques. Puis, vas-tu me dire comment ça s'est passé, l'entrevue? Bien, ça s'est vraiment bien passé. OK, mais encore. T'as quel genre de questions qu'ils te posaient? Le genre de questions avec des points d'interrogation, là. Mais oui, j'imagine. Mais toi, maintenant, t'en as-tu posé? Tu sais, à la fin d'une entrevue, ils demandent tout le temps « Et vous, avez-vous des questions concernant le poste ou whatever? » Chris, dis-moi pas que t'as pas posé de questions. C'est la partie la plus importante de l'entrevue. Je sais pas, c'était clair de la façon qu'ils ont présenté ça. Fait que j'avais Chris Bru, ça n'a pas rapport, là. En RH, ils nous ont toujours appris que la partie la plus importante de l'entrevue, c'était de voir si le candidat en avait des questions. S'il y en a, c'est parce qu'il est intéressé par le poste. S'il y en a pas, c'est parce qu'il l'est pas. Fait que pourquoi on prendrait la peine de le considérer? Chris, t'appliquais pas pour une job au McDo, c'était ton entrevue de fuck. Hey! Si je te dis que ça a bien été, c'est parce que ça a bien été. Excuse-moi, mais ce que tu fais en ce moment, c'est du harcèlement psychologique. Du harcèlement psychologique. Ouais. Wow. Jonathan, d'un autre côté, il y a bien juste toi que je laisserais me harceler psychologiquement. J'espère que tu diras pas ça à tes clients en thérapie. Sérieux, Bruno, pour l'entrevue. Ça tente pas de lâcher ça deux secondes. Qu'on se fasse livrer de quoi? Hmm? Histoire que t'aies les mains libres pendant une heure ou deux. J'aime la subtilité dans ton changement de sujet. Mais est-ce que ça marche? Je sais pas. Ah, fuck la subtilité. Hey, qu'est-ce que tu fais? Je te masse. Eh hey boy, je pense que t'es rendu pour un petit coup privé, toi. Non, mais on laisse faire ça, ils rappelleront tantôt. Attends. Chris. C'était qui? Ah, c'était rien. Dans le 604, il y a une affaire de voyage à Fidji, sûrement. Là. Il laissera un message. Mais là, vite, réponds. T'as peut-être vraiment gagné un voyage. C'est Mathilde. Allô? Joe, c'est-tu où Bruno? Es-tu correct? Ça va-tu bien? Oui, juste à côté de moi, là. Qu'est-ce qui se passe? Passe-moi là. Non, mais je me demandais ce qui se passait parce qu'il a disparu tantôt. Passe-moi le téléphone. Attends-toi, excuse-moi, répète ça, là. Hey, c'est à moi qu'elle veut parler. Allô, Mathilde, excuse-moi, on était occupé. Là, va falloir que tu me dises ce qui se passe. Monsieur Blanchard m'a dit que t'étais parti en plein milieu de ton entrevue puis que t'es jamais revenu. Ça va-tu? T'es-tu correct? T'es-tu malade? T'es-tu déprimé? Ta grand-mère, es-tu morte? Mathilde, j'étais en train de faire l'amour avec Jonathan en ce moment, puis. Non. D'où tu n'as pas le temps de fourrer avec ton chum? Appelle Monsieur Blanchard au plus Chris. Non, passe-moi le téléphone. Non. Donne-moi mon téléphone. Non. Calvaire, Bruno, donne-moi mon téléphone. Arrête, téléphone. Arrête! Bruno. Non. Téléphone. Allô, Mathilde, qu'est-ce qui se passe, là?
Je savais pas comment te le dire. Ah, ouais. J'étais prêt. Si je te dis que ça a bien été, c'est parce que ça a bien été. Je sais pas ce qui me fâche le plus. Le fait que tu te sois littéralement sauvé de ton entrevue d'admission au doctorat ou que tu m'aies regardé dans les yeux puis que tu m'aies menti. Là, tu vas faire ce que Mathilde dit. Tu vas te grouiller le cul, tu vas y rappeler puis tu vas te reciduler une entrevue. Mais je peux pas faire ça. Ben oui, tu peux. Voyons, je suis bien trop en retard, ça n'a aucun bon sens. Tu sais pas si t'essayes pas. Ils vont me trouver juste vraiment cave. Ben justement! Toi, tu pourrais les appeler puis tu leur dis... Puis leur dire que j'ai eu un malaise pendant l'entrevue. Moi, tu veux que je les appelle, là. Tu veux... Tu mets trop de pression. C'est une joke! Chris, c'est tout de mon bord! J'ai besoin d'aide! Ah, t'as besoin de mon aide! T'as besoin de mon aide! Ah, ben, t'as raison. Hey, je vais t'aider, parce qu'après tout, un chum, c'est fait pour ça, pour aider l'autre, hein? Ça fait la vaisselle, ça fait les impôts, ça aide l'autre quand l'autre se pogne le cul avec ses devoirs. Ben, hey, je pourrais même faire ta thèse de docteur. Ah, ben non, Chris, il n'y en aura pas de thèse. Il rentrera pas au doctorat, tabarnak! Tu vas me pardonner à m'amener? Hey, qu'est-ce que tu fais? La vaisselle est pas finie, là. Puisque je m'en servirai pas de toute façon. Hey, non, non! What the fuck, Asti? Qu'est-ce que tu fais de mon sang, Chris? Au pire, tu les mettras dans le bleach. Tofu grillé au sésame avec... En fait, tofu brûlé au sésame avec une petite salade de luzerne. C'était correct avec un couteau à beurre. Pogne le Christ de couteau à beurre! Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait, là? On mange? Non. Non, je veux dire nous deux. Qu'est-ce qu'on fait, nos 3 ans, l'appart? Je parle de nous, là. Qu'est-ce qu'on fait? Regarde, on est peut-être mieux de manger chacun de notre côté puis d'aller se coucher, là. Va dormir, là. Je sais pas si t'as conscience de tous les efforts que j'ai mis sur toi. De tout ce que j'ai fait pour toi, puis toi, t'as réussi à faire chier ça en même pas 10 minutes. Tu viens de scraper un ordi neuf, hostie. Comment je suis censé faire pour rester avec toi après ça, moi? Pis toi? Toi, tu fais rien, hein? Toi, pis... Ton hostie
hostie de régime végétalien à marde! La luzerne, là, ça goûte le fucking gazon! Moi, j'aime ça! Le jambon dans mes sandwichs! C'est ça que tu me réponds? Je te parle de nous, pis c'est ça que tu me dis? Crise de chance, t'es pas rentré au doctorat, toi, finalement. Avoir à toi comme si j'aurais eu vraiment peur. Hostie, es-tu correct? Oh. Attends, là, je... Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de te sauver la vie, non! Tiens, mon chandail, hostie. Ça fait 2000%, t'as la main. Oh, oh. Je pensais Mathilde. Oh, shit, il va falloir rappeler. Ouais. Je peux pas vraiment bouger en ce moment. Puis j'ai pas vraiment envie de parler de l'entrevue du docteur. Oh.